Salut à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un super donut, comme vous avez pu le voir sur la petite image de présentation sur la page YouTube. Le voilà. Un super donut dans un emballage magnifique. Il n'y a pas une trace de gras et ça, c'est génial. Allez, on l'ouvre. Voilà. Je vous montre 2-3 trucs. Hop, le fabricant. C'est marqué en français. Si vous ne trouvez pas ce que c'est. Alors, voilà donc ce fameux donuts. De la marque Miloul. Miloul. J'ai trouvé le système super sympa. Voilà. Ça vous met un petit peu tout. Allez, on enlève la petite protection qui est bien faite, hein, avec trois trucs qui sont exprès pour ça. Voilà. Et qui se mettent ici et donc ici. Je vous le montrerai la suite après. Pour le moment, on va finir l'emballage. Alors, vous risquez d'entendre peut-être un petit souffle derrière moi, mais c'est les ventilos, hein. Il fait 40 degrés, on crève, et comme j'avais pas trop envie de mourir à la maison, je me suis mis un petit peu de ventilo. Si j'avais mis la clim, ça aurait fait un bruit infernal. Donc, voilà. Donc là-dedans, nous retrouvons une petite notice. Alors, ça c'est la carte de garantie en anglais. Oh, en français, dites donc. Cher utilisateur, nous vous remercions d'avoir acheté la station de recharge Donut Zork. Afin de protéger vos droits et intérêts, merci de prêter attention aux informations. Ok. Eh bien, écoutez, au niveau français pour ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, assurez-vous que la puissance de l'appareil ne dépasse pas 1600 watts. Et c'est noté en 3, là, voilà. Avertissement de chaud. Oui, bah oui, parce qu'en fait, il recharge tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est dans toutes les langues, ouais. Voilà, là, vous avez... Je vais vous montrer un peu les images qu'ils ont mis. Voilà. Vous voyez, vous avez du rechargement par type C. Directement le câble de puce d'alimentation. Voilà. Et deux USB. Ça, c'est pas mal. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, on a enlevé la protection plastique. Voilà. Et voilà. Bon. Hop là. On le remet dans la boîte. Et ensuite, eh ben, j'aime bien ces scratchs là qu'ils mettent pour tenir. Ça évite les machins tortillés qui sont... Excusez-moi, ça c'est le ventilo, ça donne mal à la gorge. Voilà, un câble d'une belle longueur. Je sais pas combien il y a. Il doit y avoir 1m50 facile. Voilà, donc revenons maintenant à notre donut. Donc le donut, hop, il s'ouvre comme ceci. Vous pouvez le poser comme ça, vous pouvez même le poser comme ça. Hein. Rien n'empêche de le poser comme ça. Donc vous avez une entrée ici pour brancher, par exemple, ceci. Ou alors, vous avez même avec les prises... Attendez, je reviens. Many months later. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, pour ceux qui me suivent, vous allez reconnaître cet adaptateur international que j'avais. Donc là, est-ce que c'est américain? US, tac. Peut-être plutôt dans ce sens-là. Et voilà. Vous voyez? Américain. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer l'anglais. Alors, l'australien. Ah non, ça va pas le faire, ça, par contre.
Ouais, c'est vraiment très limité hein, comme un truc. Et l'anglais, bah non, il faut un gros trou ici. Donc il n'y aura pas. Si je vous le montre. Vous voyez, ça rentrera pas. Non, c'est limité américain et européen. Donc vous en avez deux, un ici, donc deux prises USB pour recharger donc vos appareils. Hein. Ici une type C. Ouais, non, je vois pas pourquoi. Ah bah si vous avez un ordinateur style, enfin un Mac, les nouveaux Mac qui se chargent en USB type C, si vous avez un double USB type C, vous pouvez vous en servir. Et puis donc la prise pour le recharger. Donc là on a... Ah, de l'autre côté il y a des trompeurs, très bien. Oui, c'est ça. Hop là. Donc là c'est bien, on a été livré avec la prise standardisée européenne. Voilà, moi je trouve que c'est un beau produit. C'est un beau produit. Il est sympa. La couleur, j'aime bien. C'est un de mes coups de cœur pour cet été 2017. Le deuxième arrivera bientôt. Je vous le ferai la semaine prochaine. Mon deuxième coup de cœur, que je me sers quasiment tous les jours, arrivera bientôt, bien entendu. Je vais pas vous le dire en fait, je vais pas vous le dire. Alors, on fait comme d'habitude, hein? Voilà, c'est marqué ici. Voilà, on remet tout. C'est marqué là, hein? Je vous mettrai des petites notations. Pour le prix de cet appareil, je vous le mettrai ici, là, par là, quelque part. Voilà, c'est pas très cher et c'est super pratique. Et au moins, c'est geek. Hein? Vous êtes geek avec ça. Voilà. Allez, salut à tous, c'est Laurent, à bientôt pour un nouveau déballage. Ciao. Like you trying to get stuck in it. In the air.